Ci troviamo presso il Teatro Paisiello di Lecce per la consegna dei premi Raffaello Sanzio 2014. E sono in compagnia dell'artista francese franco-marocchina e ecco, Fatima Benet. Fatima Binet Ouaka. Allora, ha voluto preparare questo telo, e naturalmente perché ha un significato e ne vuol parlare in questa occasione, avvalendosi naturalmente della traduzione di Maria Torrelli. Prego. Bonjour, nous sommes au théâtre de Paisiello à Lecce pour présenter, pour que Fatima Binewaka reçoive ce soir le prix Raphaël Sanzio et le prix spécial des droits de l'homme Nelson Mandela. Et Fatima a voulu aussi nous apporter son drapeau parce que Roberto nous dit justement qu'il a pour toi un symbole particulier très important et peut-être que tu veux en parler. Merci beaucoup, Roberto, de nous avoir invités. Si je porte aujourd'hui ce drapeau, c'est aussi le Maroc, il est parmi nous. L'ambassade, vous savez, on est tous des ambassadeurs et des ambassadrices de son pays. Et le Maroc, aujourd'hui, il est présent, avec moi et dans le monde. Alors, ça montre aussi l'ouverture et la pluralité qui fait que l'art, il se conjugue dans tous les pays du monde et dans tous les pays du monde et dans chaque artiste. Si j'ai amené ce drapeau, il est symbolique parce que tout le monde porte son propre drapeau. Pourquoi le Maroc? Eh bien, parce que le Maroc, il est en mouvement, c'est un pays en mouvement, c'est un pays qui ouvre aussi et il s'ouvre au monde et c'est la raison pour laquelle sa présence aujourd'hui en Italie avec vous, c'est aussi une forme d'hospitalité que vous lui offrez. Brevemente, comunque, significa che il Marocco è con noi, che il Marocco è un paese in movimento, che si apre verso il mondo e che vuole essere con noi stasera. E quindi vediamo come gli artisti, magari che vengono pure da quell'area mediterranea come il Marocco e trapiantati in Francia, abbiano questa comunione di intenti e quindi la volontà attraverso l'arte di parlare di libertà, di progresso, di pace, di diritti. Aussi, c'est le sens de parler de liberté, de droit, de solidarité. Liberté, solidarité, humanité sont vraiment en chacun de nous. C'est la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui. Pourquoi? Questi C'est valori parce que sono dentro di noi. si je suis là aujourd'hui parmi les artistes, c'est parce que honorer cet grand homme qui s'appelle Mandela, Madiba, pour les gens de son pays, ils l'ont nommé ainsi. È venuta per onorare questo grande uomo Nelson Mandela perché è stato per noi e ha consacrato tutta la sua vita per noi. Je rajoute, c'est qu'en 2013, j'ai représenté à l'UNESCO 24 pays, des pays arabes au sein de l'UNESCO. Ensuite, j'ai participé à une exposition internationale avec les Africains du Sud sur le mot dialogue. Dialogue, et j'ai fait une toile sur le mot vivre, car Madiba a voulu absolument que le mot vivre continue aussi à lutter contre tout ce qui est injustice et instaurer le pardon. C'est la raison pour laquelle vraiment cet homme, c'est un grand. Mais tout en sachant que chacun parmi nous porte aussi cette paix. Et il faut absolument qu'on s'unisse pour la diversifier et la transmettre à nos enfants, parce qu'ils sont les témoins futurs de cette planète. Quasi ha detto che Nelson Mandela l'ha ispirata perché porta la parola della pace e lei è venuta per questo. Ha fatto le sue mostre con l'UNESCO a Parigi per rappresentare i paesi africani con il Marocco. E, le,
le grand mostre a Parigi. Allora, noi ringraziamo Fatima Binet OH, che è venuta qui e assomiglia un po' a Brigitte Bardot. E quindi l'ho vista da vicino e devo dirlo perché è una bella donna, e quindi come tutte le donne marocchine, e questa fusione di popoli. È francese Brigitte Bardot. Sì, ma lei è francese di adozione, però ci assomiglia, ecco. Quindi adesso porteremo queste nostre battute in tutto il mondo attraverso i nostri video e attraverso i nostri canali YouTube. E la scenografia, possiamo abbassarla un poco? Prego, abbassiamo un po' la scenografia, grazie. Ecco, eccola, grazie, a più tardi. A più tardi. Grazie, giusto un mot per terminare. Un petit mot, je peux pardon. Pour terminer, Alberto, c'est simplement pour dire que merci à vous d'avoir organisé cette magnifique manifestation avec notre interprète internationale qui aussi se donne beaucoup de mal et beaucoup, beaucoup d'amour pour les artistes en France. Alors, je porte ce drapeau. C'est un drapeau que chacun de nous peut aussi apporter la paix parce qu'on l'a en nous et je souhaite vraiment que le monde, on est tous des locataires sur cette planète et on a envie d'y vivre bien dans le calme et dans le bonheur et dans l'amour. Voilà, je vous remercie et merci de m'avoir donné la parole. Grazie. À très bientôt. Grazie. Grazie. Grazie.